Ovaralika, on a fallu nommer. Toutes les autres sont mais bonnes. Mais qui sont ces bonnes-là? Parce que nous savons tous, en Guinée, les bons-là. Tout ce qui est bon, on les appelle Mamadou. Les Mamadou, ce sont les Mamadou. Ako Mamadou, boy nanaki, en masculin, c'est le masculin de bon ça. Donc, boy dit bon, nanek quoi, Mamadou. Bon, le féminin maintenant, c'est quoi? C'est Asatou. Les Asatou sont mes boys. Les Asatou. Il y a un peu de temps, non, il te dit, faut être alissadi. Faut être alissadi. Masculin, c'est, tout le monde sait, les plantons, le masculin, c'est Mamadou. Féminin, c'est Asatou. Très bien. D'ailleurs, notre vidéo, c'est même pas ça, quoi. Vous savez, nous, on s'occupe pas des petits détails, là, quoi. Nous, c'est la Guinée qui nous intéresse. Et RPZ, c'est comme Comedy Club. RPZ, à Kadriba, à communiquant, et bah, parce que les communicants, quand même, et je les respecte, à nous, les maudits, à blogueurs, les maudits blogueurs, et bing, ce sont les trucs, quoi. Et comment dirais-je, des comédiens. Et bim, Mayeli. Et Mayeli, vrai. Et pour votre information, Sos vient de recevoir son premier cadeau symbolique. Il vient de recevoir un téléphone. Parce qu'Amar sa Koumiti Koussoum. Amar a Yamar ba Koumiti fe. Je pense qu'Amerine Denanga Koumiri n'a un téléphone y a un vir symbolique manaki. Donc il attend pour vous aussi. Mm-hmm. Donc, RPG Mireille, mais au Mayeli. Mais je vais vous dire une chose, hein. Molim Touré, le conseiller d'Alpha Condé, mais avant ça, RPZ me réconcilie. Mais à tout cas, on est là, on est personne n'a pu parler. On ne peut pas répondre à Molim. On ne peut pas le répondre. Quand les gens ont parlé là, c'est Kassouri et autres qui ont voulu assassiner. Truc quoi, Alpha Condé, le livre est sorti, il n'a rien à faire là-bas, on veut positionner un malinqué. Quand mon livre est venu, un seul mot, qu'on a un livre. Donc, quand au carré là, c'est un sisi là. Mais, et puis c'est assis quoi, il a détaillé les béri. Quand au carré là, il a fait un député, il a fait un droit. Il a fait un livre fait par Namini, il a fait un droit. Je dis, RPG, Oma Kolomere, il y a ce royaume. Des gens qui viennent de partout là. Et fait RPG, Nanamura. On fait Kolo, RPG, quoi, Nakabarina, Hermanaki. C'est fini pour RPG. C'est fini. Troisième mandat là. C'est amer comme le calice. C'est très amer. Oto Aminganaki. Fois au Furinge, Bilinaminara. Des maudits comme ça là. Hein? Donc les maudits blogueurs, où famille c'est fallait son nom. Omar Té, Omar Gourou, Omar Association Birinabi Facebook ma. Eh, défendeur continuité à Zorbe, à Minerbera, ou na Minding. Après tout là. Des maudits comme ça là. Après, t'as un mandat ma Facebook ma. Moutan, Facebook là, ça ne garde pas notre travail. Vous voyez même quoi. C'est dans mon endroit de travail que je fais mes lives. Ce que je fais ici comme travail, dites aux maudits blogueurs aussi, il va te rawal deba, il va live rabana. Qu'est-ce que c'est? Des maudits comme ça là. Et puis, il va aller la Guinée. Eh, moi j'ai fait tous ces combats là. Quoi, quel combat vous avez fait? Dawouya, ou de votre téléphone rambire. Quand on dit combat là, c'est qu'il y a un adversaire. Mais il téléphone tout le monde, il va aller voir. Il va aller voir là-bas. Il aurait carrément. Et puis tu te mets à parler. À aboyer même. Parce que tu ne dis rien d'intéressant. Tu ne dis rien de sérieux. Si ce n'est pas UFDZ, c'est Seloudel dans vos bouches là. Après, où est le résultat? Où est le résultat? Si ce n'est pas encore venu s'asseoir devant nous pleurer, j'ai fait tout ça. Le RPG ne m'a même pas regardé. Parce que le RPG, tu le fais pour le RPG, pour avoir quelque chose. Tu fais quelque chose pour avoir quelque chose du RPG, pour ta RPG ne te calcule même pas. Tu viens, tu t'assois sur les réseaux sociaux à raconter des sottises, des barrières. On barrière, à le terrain à Sigui.
Vous faites ça sur les réseaux sociaux. Et après, c'est pour dire, on ne m'a même pas appelé pour me remercier. On va te remercier. Pourquoi? Vous avez vu Mme Assiri ici, 2015. RPZ, Khaï Maï. Parce qu'Alpha Kondé même le dit, je ne dois n'a rien à tirer, Massiné. Ceux qui sont sur le terrain, on ne les respecte pas, on les considère même pas. Pourtant, ils sont sur le terrain. Et vous qui êtes là sur les réseaux sociaux, regardez seulement. Ils sont là, ils ont bolo obéma. Et Mouna Tchéché. Si ce n'est pas live, c'est live. Si ce n'est pas live, c'est live. Et il y a femme longtemps seulement. Et regardez UFDZ. Femme coquette, jolie. Hein? Quand tu vois même là, quoi, ton cœur est enzaillé, comme les Ivoiriens aiment le dire. Ton cœur saute, saute, saute. Tu vas regarder 3, 4. Mais femme RPZ, quand tu regardes, c'est une seule fois. Et puis ça aussi, il y a un tout dans la marraine, il fait faire tout le. Des femmes longtemps comme ça. Il y a une autre Guinée sommaire, il y a une autre Guinée rayable. La Guinée, mon nom est Yaboudi. La Guinée, mon nom est Yaboudi. Et mon tchèque, colo. Non, RPZ, les maudits. Et n'a pas la maudit. Quand on dit la maudit, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous venez. Est-ce que vous avez même le travail? Parce que ce n'est pas le lien de votre travail, quoi. C'est tout à la maison, là. Et tout en vidéo, tout en vidéo, tout en vidéo. Moi, hey, quand vous me voyez faire vidéo, là, c'est que j'ai le temps. Même en pleine vidéo, même maintenant, là, on peut taper à la porte, là. J'arrête la vidéo parce que j'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. Dès qu'on fait là, t'entends ou bien on m'appelle, là. De la réception, on m'appelle. Je coupe, je dis ça. Ah, parce que nous, tout le temps occupés, tout le temps occupés. Mais les maudits blogueurs, c'est moi qui ai conquis les couilles. Et ils là. Et c'est le délin, les moutons, c'est ceci, c'est tout ce qu'ils ont dans la boue. Mais moi, je me touré. O sosé nan na so royam o mam va fala o ka fouté sosé ma eh ne ta me gbe lu ma go kompi mu na ni ra go kompi mu na sosé ra go e malu ma ode e malu ma ode RPZ manifestation mu ya folo kan kan ma fala ra ode. Je vous ai dit, il y a des crises qui pointent à l'horizon, et puis les crises vont même s'accentuer. C'est le jour où vous allez voir le nouveau gouvernement là. Le nouveau gouvernement de Alpha Condé, c'est le jour où vous allez voir ça. C'est des crises qui vont s'accentuer maintenant. Je vous ai dit, le problème des courants, nous sommes rentrés dans la saison chasse. Et le problème des courants aussi va s'ajouter sur ça. Et pire, la conjoncture va être insupportable pour le Guinéen. Ça va être insupportable pour le Guinéen. Vous avez vu, tous les maudits blogueurs se sont tués sur les réseaux sociaux. Non, le ministre, c'est pour nous raconter des bêtises. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien dans la tête. Nous, c'est le peuple qu'on défendait. Et puis ça même, ce n'est pas défendre. C'est au nom du peuple, nous, on donnait nos opinions. Parce que ça, ce n'est pas défendre même, quoi. Ceux qui sont sur le terrain, là, c'est eux que je respecte. Même si moi, je ne suis pas du même bord que les Nyeloui. C'est des gens comme ça que je respecte. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ils sont là-bas, là. Tout ce qu'ils disent, ils sont en Guinée. Mais celui qui n'est pas en Guinée, là, je ne peux pas le respecter. Parce que tu ne connais pas la souffrance des Guinéens. Et puis, je prie Dieu, je ne dis pas à des personnes qui ne sont pas en train de défendre ce régime-là, mais tous qui sont en train de défendre ce régime-là, il n'a fallu rien dire la Guinée, mais alors qu'on qui douleur est vraiment. Ouais. Il n'a fallu pas ira qu'il la Guinée, les billets d'avion dans le jour, mais il n'a fallu pas quoi si. Avion d'enfant à Bira, à Yéguilin, n'a fallu pas. Mirinde n'a pas perdu mes nids, quoi. Sinon, il n'a pas fallu pas. N'a pas l'été avion dans quoi, avion bra Yéguilin, il fallu. Parce qu'il y a un ami qui fait la Guinée. La souffrance de la Guinée. Mais, mon nom, même si tu as fait la Guinée, alors que tu as fait la Guinée, tu as fait la Guinée. Parce que tu as fait la Guinée. Vous les maudits là, quoi. Surtout ceux qui soutiennent ce pouvoir là. Nari gi régime défendu fa régime ñorongé xawna ké du féré ñéré ko ala na kala ala ré yanga wura patrie e wura sou la Guinée.
ala ki gaura patri wo sur la Guinée. Problème bilibili bilawo kuma wo sur la Guinée. Parce que on ne peut pas voir le mensonge. Vous pouvez défendre quelqu'un, même s'il est dans le mal, mais dans la vérité. Mais nous le préférons. Mais vous ne pouvez pas venir vous asseoir ici devant des gens raconter de n'importe quoi. Vous savez pertinemment qu'Alpha Condé ne gère pas la Guinée. Il ne fait absolument rien. Rien n'évolue en Guinée. Dès que tu parles, on dit il y a des hôtels. Hôtel, ça c'est pour des privés. Qu'est-ce que lui il a fait avec l'argent des mines, avec tous les taxes qu'on déverse à l'État? Qu'est-ce que la Guinée a fait de ça? Qu'est-ce que la Guinée a fait? C'est là la bonne question. Même les routes qu'on fait en Guinée, même les routes qui sont en chantier là, parce que ce n'est pas des routes qui ont été faites, ils sont en chantier depuis combien d'années? Même ces routes là, c'est des dettes. C'est des dettes. Quel état dont on parle, c'est dettes. Qu'est-ce que Alpha Condé, son gouvernement, fait avec l'argent? Et tous les jours, nous entendons des milliards dérobinés, des milliards détournés. Autant Kouloumassi, des maudits comme ça. Vous êtes dans le froid ici. Vous êtes sortis, vous ne pouvez même pas vous débrouiller, trouver le transport pour vous retourner en Guinée. Au moment où il faut nous aimer ma couleur. Vous nous aimer ma couleur. Des maudits comme ça là. Dans Kadiana Naki. Et puis, tu défends quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu chantes quelqu'un qui ne te connaît même pas. Et qui s'en fout de toi. Ah, Métain, hey, Damaru, hey, c'est. Quoi? Des arrogants comme ça là. Mais on a parce qu'ils ont pris des Guinéens qui ont quitté l'extérieur, qui sont partis dans leur pays, rendre visite à leurs parents. Vous ne vous posez même pas des questions. Vous ne vous posez pas des questions. Suleymane Condé vit avec sa femme aux États-Unis. Nous connaissons tous les États-Unis. Nous le connaissons. Tout ce que tu gagnes, c'est de mettre dans des dépenses. Si tu ne veux pas faire comme les compagnies, mais si tu veux vivre ici, si tu veux t'établir ici, ici c'est sûrement, tu dépenses tout encore. Suleymane Condé vit avec sa femme. Sa femme est encore étudiante. Presque toutes les dépenses de la maison reposent sur lui. Sa femme lui vient en appoint. Il est en prison aujourd'hui. Combien de mois? À cause de ses opinions. Et qui va s'occuper de sa famille? Sa femme doit être obligée d'abandonner l'école, de faire combien de travail pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils ont des enfants. Il y a la maison à payer, il y a l'électricité, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Comment elle peut s'en sortir? Son mari n'est pas là, il est bloqué en Guinée. Injustement bloqué en Guinée. Vous ne vous posez même pas ces questions. Vous êtes aux États-Unis ici, vous connaissez les réalités d'ici. On ne peut pas. Il y a des personnes qui sont obligées de faire 2-3 boulots pour au moins supporter les frais de la famille. Vous, vous êtes là, vous êtes content de ça. Vous êtes content de ça. Yaris, là, ma avocate, vous êtes content de ça. Vous ne pouvez pas faire des vidéos dénoncer ça. On a fait le troisième, on a pris des gens là pour intimider pour le troisième mandat. C'est fini. Laissez-les aller dans leur pays. Laissez-les aller s'occuper de leur famille. Regarde Madik, c'est lui qui a fait tout pour son papa, pour sa famille. Sa famille ne compte que sur lui. Et aujourd'hui, il est parti pour rendre visite à sa famille. On le prend, on l'incarcère injustement. Qui va supporter sa famille? Qui va envoyer les dépenses de la famille? Hein? Ce sont vos cacas là qui vont envoyer ça, qui vont manger. On a un fou Mayamin qui. C'est Mounaoura, Oumouna Sissi, des gens qui sont en train de faire des choses et Boudori, Unirile Kanama. C'est leur opinion. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur les réseaux sociaux? Il y en a qui sont même partis caillasser des gens et filmer Ramini. Le procureur, il est où? Il y a des gens qui disent là-bas même, il faut attaquer tel, il faut attaquer tel. Il est où le procureur? Et Suleymane Condé, vous savez, on le met en prison. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si vous faites du mal à nos amis, en Guinée, vous les avez pris, vous les avez mis en prison. Si vous leur faites du mal,
Nous connaissons que vos enfants sont à l'extérieur. Nous connaissons que vos familles sont à l'extérieur. Nous allons nous en prendre à vos familles. Hein? Où est le crime dans ça? Où est le crime dans ça? Parce que c'est la seule vidéo de Suleiman Kone qui vous montre. Nous connaissons tous pour Madik. Madik, lui, il était dans l'excès. Il était dans l'excès. Mais Suleiman Kone n'était pas dans l'excès. Et même dans l'excès, là, tout le monde sait avec eux. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas là. Madik, tout ce qu'il disait, c'était comme dans des films, quoi. Moi, je disais chaque fois. Je disais chaque fois. Je dis, Madik, c'est croire dans des films. C'est irréaliste tout ce qu'il disait. Je vais aller prendre, je vais faire coup d'état moi seul. Vous voyez? Où est le crime dans ça? Où est le crime dans ça? Il faut être sérieux, quoi. Quand je dis que vous êtes des maudits, parce que vous êtes des vrais maudits. Vous êtes des maudits. Je ne dis pas les communicants qui sont à Conakry, parce que eux, ceux qui appellent dans les radios là, et puis les Sayo là, les Kalou, les Mohamed Kondé là, si c'est stratège, quelque chose comme ça là, et là, ils ne sont pas comme les maudits là, quoi. Les maudits qui sont là, là, qui racontent du n'importe quoi. Ils ne sont pas comme eux. Et ils sont objectifs. Donc, libérer ces gens-là. Vous avez voulu le troisième mandat, vous avez forcé, mais on a mis mon calice. On a mis aucun nez. Parce que ce que les Guinéens attendent, vous n'allez pas leur donner. Et les Guinéens ne sont pas aussi bêtes comme vous le croyez. Ils se lèveront un jour, mais moi, t'as marre de nous. Mon nom, voilà, mon mari, bien, voilà. Mon mari, de nous, il a tiré. Mais je sais une chose, ils vont se réveiller. Ils vont se rébeller un jour. Quand on a le temps. Alors, tu es yati yati. Mais je suis bouffé. Alpha Condé, c'est pourquoi il a peur. Il ne met pas encore son nouveau gouvernement. Parce qu'il sait s'il lâche Kassori, ça va précipiter les choses. Et s'il ne lâche pas Kassori, les Malinki. Bon, ce n'est pas les Malinki. Parce que quand on dit les Malinki, là, on va attaquer tout le monde. Quoi. Les maudits du RPG sont là. Qui se disent Malinki. Ils représentent. Et il y a des Malinki Rikana, quoi. On représente les Malinki. Il y a des Malinki qui souffrent comme pas possible. Il y a des Malinki qui souffrent comme pas possible. Comme pas possible. Ils ne veulent même pas entendre parler d'Alpha Condé. Donc quand les maudits là parlent, nous les Malinki. Vous les Malinki de merde. C'est pas les Malinki, hein, tous les Malinki. Mais c'est les gens de RPG de merde là, quoi. Mire Torori. Il t'aura tort, mais alors on est fanyang à tort. Alors tort est mandang, vous souriez. Et ça, ça remet marte ou carburant, ça remet extérieur. N'a qu'on la guinée, maman gourmé, ma témoin. Ils vont dire non, c'est devenu cher. Voilà. Et n'a même mouri, ma mousse s'occupe à la maroille, quoi, brato. Hé, les gens la veulent nous faire taire, quoi, est-ce que tu comprends? Ils m'ont bloqué, j'ai envoyé même mon passeport, mon frère, la copie de mon passeport. Ils n'ont pas accepté. Pour me donner encore mon compte. Ils ont signalé le compte, ils ont éliminé complètement. J'ai écrit, j'ai envoyé, j'ai tout fait. Mais voilà, à fond même mon lié, quoi. Quand ils m'ont content de yadi, quoi, Ibrahim. Aïe, ma fenêtre, quoi, ils m'ont content de faire un sorola, quoi, Ibrahim. Aïe, min kela, quoi. Il canaille pour ça, il canaille pour y comme affaire la fou, ni qui comme affaire. Mon toroni idalier, mon min makende idalier, mon min finkening quoi, Ibra idalier, conco imina idalier. Niki, comment fanico? Si tu regardes derrière toi, je te parle en. Parce que je ne vais pas te parler en poulard quoi. Parce que tu es déjà campé. Je vais parler en poulard. Je me débrouille un peu en poulard. Tu sais, un esclave, tu dois pouvoir prendre la salade. Très bien. Mon frère, quand tu vas. Pour aller. Ça dit d'ailleurs, de n'en être bolgo, on faut faire là. Parce que c'est un dar bauma, aïe 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 ne regarde plus, derrière. Si tu regardes derrière, tu vas avoir pitié quoi, parce qu'il y a des gens qui sont derrière, ils ont faim, il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont, il y a rien.
Donc, continue, tu vas accueillir ce que tu vas accueillir maintenant. Quand tu viendras, les gens qui ne sont pas morts, tu vas les soigner et tu vas les donner à manger. Tout la à Guinée tout. Actuellement, si on ne se bat pas, c'est qu'on est foutu. Ils vont arrêter tout le monde. Les gens qui sont là-bas, tu sais pourquoi les gens ont peur d'Alpha Condé? Oui. Les présidents qui sont Macky Sall ou bien Ambalo ou bien les gens de l'Afrique là-bas, de l'Afrique, ils ont peur d'Alpha Condé. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un barbare, quoi. Est-ce que tu vois? Il ne peut pas se ressaisir. Il va attaquer n'importe quel pays là-bas. Je vous assure. Hein? Parce qu'il a. Je ne sais pas comment je peux le dire ça en français. Je te jure. C'est normal. Pourquoi pas? Il a fermé la frontière devant les autres. Et ouais, il n'a pas pitié. Mon frère, il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. Est-ce que tu comprends? Donc, battez-vous. Vous qui êtes là comme des gens qui disent la vérité, c'est-à-dire l'air même ne vous arrive pas. Donc, battez-vous. Si vous le laissez, vous lâchez, wallahi, ils vont finir avec les gens là. Est-ce que tu comprends? Donc, battez-vous. Ouais, attends, je suis dans la voiture, mais je suis désolé, Fadiga, je ne peux pas mettre ma tête parce qu'on me recherche quelque part. C'est pas grave. Déjà, on connaît. Attends, Allez, vas-y. Attends, je me garde. Fadiga, on est dans un truc, c'est honteux. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est très, très honteux parce que je ne comprends pas comment des jeunes dynamiques comme ça peuvent passer toute la journée sur Internet à soutenir un régime même machiavélique. C'est incroyable. Absolument. Tu vois, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses... C'est qu'il faut essayer de recadrer le débat. Oui. Il faut vraiment essayer de recadrer le débat. Et bien là, tu es en bas, il faut Nyarasi, Nyarasi, s'il y a des, et bien sauf Folonara, tu vois. Débat fait dénoncer. Non, mais c'est vrai. Et bien sauf Folonara, parce que moi, depuis là, on m'a compte créé, parce que j'ai fait exprès, je ne vais pas te le cacher. Hein. J'ai fait exprès, avant, je communiquais avec mon vrai compte, et j'ai vu les représailles que j'avais derrière. On commençait à limite à m'attaquer au niveau de ma famille et tout ça. Oui. J'ai fait exprès de créer un compte, celui-là, là. C'est vrai, je ne vais pas le cacher. Non. Mais tout ça, en fait, pour te dire que le combat que toi, tu mènes, le combat que même les communicants de l'IF2G mènent, tu vois, c'est un combat noble. Il ne faut pas relâcher, c'est un combat noble. De toute façon, il n'y a que la lutte qui libère. Il n'y a que la lutte qui libère. Dendemoudor Bangui était libre comme ça là, du jour au lendemain. Non, oui. Il faut que tu rentres dans la lutte. C'est obligatoire. Mm-hmm. Maintenant, pour parler des alpha cochers blogueurs, là, comme je les appelle, moi, c'est des gars qui n'ont ni d'intérêt pour moi, rien du tout. En fait, j'ai l'impression qu'ils amusent la galerie. Et voilà, tu vois, Mounsa Kelwaldena qui est fatigué, tu viens, tu mets leurs vidéos, tu rigoles un peu. Oui. Tu t'envoies des têtes de mort, tu les signales et puis tu vas te coucher. En gros, au fond, ils n'ont aucun débat. C'est ce qui est malheureux. Ils n'ont aucun débat. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais honnêtement, les 99% n'ont pas de débat. Je vois la Lady Gaga, là, je ne sais pas si elle est aux États-Unis là-bas ou en Angleterre, qui se prend pour machin, mais au fond, elle ne raconte rien du tout. Non, mais c'est vrai. Elle est dans la manière et tout, Fadiga. Ce n'est pas possible. Elle est dans un film. Ouais. Il faut qu'il arrête de descendre. Et l'autre qui vient de se faire chicoter en Guinée, là. Alors lui, je lui parle même pas. Parce que pareil, c'est le Ansu Damaro, le Fasanta Benito, pareil, un chacal. Alors l'autre que mon frère symbolique, il a chicoté là à Paris. Non, à la Fadiga. Ouais. Non, à la Tagui, je te mens pas, Fadiga. Si je pouvais monter à Paris, je ne suis pas loin de Paris. Et bien, attends, allez, il y a un confinement qui s'est bloqué. Quand nous avons été à Paris, nous avons été à Paris. Nous avons été à net. Ah, tu as été à Paris. Nous avons chauffeur faire un fan qui est à Paris. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.